fois, j'ai dit à ce gamin de nous déposer le journal sur le palier. Tu es trop gentil. Passe-lui un savon, il te prendra au sérieux. La veilleuse n'est toujours pas réparée. Tu ne veux pas t'en occuper? À la place, j'ai payé le gaz. Oh, mais alors tout va pour le mieux. Ça ne me fait pas rire. Tu crois que c'est drôle de se demander quelle facture on va pouvoir payer chaque fin de mois? On devrait se débarrasser des portables. Non. Ils peuvent nous sauver la vie. Imagine qu'on ait besoin d'aide parce qu'on est coincé quelque part. Non, on trouvera l'argent ailleurs. Justement, j'ai pas besoin de te dire où. Tu vas voir Monsieur Norris tout à l'heure. Oui. Oui, oui, je vais le voir. Je sais que tu y arriveras. Annonce plusieurs kilomètres de bouchons dans les deux sens. Chérie, je dois y aller. D'accord. Mais attends demain pour lui demander une augmentation. Il sera moins ouvert si tu arrives en retard. Je ne vais pas arriver en retard. Je vais prendre l'autoroute de l'ancien campement des chercheurs d'or. Ah, bonne journée. Je t'aime. C'est si paisible ici. Ne t'y fie pas, ça ne l'a pas toujours été. Il y a un siècle, des millions de gens sont venus du monde entier pour tenter de faire fortune grâce à des mines d'or ou d'argent comme celle-ci. Mais pour la plupart, ils n'ont trouvé ici que le chagrin ou pire. Alors cette mine a sûrement vu des tas de choses. Et elle en verra beaucoup d'autres encore. Danger de mort, mine désaffectée. Au bout de 12 ans, je crois que je le mérite, Norris. Monsieur Norris. Non, non, c'est pas bon. Non, je sais que je le mérite. Les entrailles de la Terre sont dangereuses. Une fois qu'elles engloutissent un homme, il ne peut pas retrouver son chemin dans les ténèbres. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk. Oui. Attends, t'as pas vu sa cravate? Il en fait une tête. Salut. Minable. Entendu. Au revoir. Salut. Salut. On déjeune ensemble ce midi? Pas cette fois. J'ai pris rendez-vous avec Monsieur Norris et Gwen compte sur moi pour manger à la maison avec elle. Elle me fera un bon steak. Oh, d'abord ton patron et ensuite ta femme. Oh, je voudrais pas être à ta place. Je peux savoir une chose? Quoi? T'as déjà entendu parler des stock options? Pas vraiment. Ils m'en ont jamais donné. Parce que tu crois qu'à moi, ils m'en ont donné? Vu la tête de ta cravate, non. Non, évidemment non. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on n'existe pas à leurs yeux. Et tant qu'on n'existera pas, tant que pour eux on restera de simples numéros, ils n'auront aucune raison de récompenser nos performances par des stock options ou par des augmentations. Et pendant que les patrons s'enrichissent sur notre dos, moi je suis là à me demander comment je vais pouvoir faire réparer mon four. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il serait temps de ne plus mépriser les gens qui contribuent vraiment au profit. Dis-le, tu veux une augmentation, hein? Tu penses qu'il dira oui? Je pense que tu pourrais toi-même peut-être réparer ton four, je t'assure. Je suis vraiment navré, Ted. Je ne peux rien faire. Moi, c'est Ed. Ed Gold. Vous savez bien que nos actionnaires veulent limiter le coût des opérations. Alors, vous comprenez. Excusez-moi, je ne vous dérange pas, j'espère. Non, Ted et moi, nous avions fini. Ah, parfait. Je m'appelle Tess. Je travaille aux ressources humaines. Je vois que vous avez suivi mon conseil, Ed. Monsieur Gold a malheureusement du mal à joindre les deux bouts avec son salaire et je lui ai conseillé cette démarche auprès de son directeur. D'autant plus que cette année, le sujet du rapport annuel en souligne la pertinence. Investissons ensemble dans l'avenir.
Je vous présente Monica, notre nouvelle attachée de presse. Enchantée. Nous tenons beaucoup à ce que le personnel de Brewster sache combien les intérêts de nos clients sont essentiels, mais que nous prenons aussi les siens en compte. Joli programme. C'est Monsieur Brewster lui-même qui en a eu l'idée. Ah oui, ça vient de Monsieur Brewster. Exact. La première mission de Monica est de constituer le rapport à son attention. Et j'ai pensé que peut-être vous aimeriez que l'on vous cite. Pour tout l'intérêt que vous accordez au personnel. Mais bien sûr, j'allais justement récompenser Ted pour ses résultats. Ed. C'est ça. Eh bien, venez, je vous accompagne. Bah ça alors. Il n'y a pas une minute, je me demandais comment annoncer à ma femme que le patron m'avait jeté dehors, et maintenant il se dépêche de me donner satisfaction. Tout ça grâce à vous. Mais vous le méritez. Votre travail est vraiment essentiel à la stabilité de Brewster. Vous savez, je travaille ici depuis 14 ans, et c'est la première fois que quelqu'un le reconnaît. Eh bien, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Oui, tu es un bon chien. Légendaire danseur et chorégraphe russe. Vous êtes danseur, vous aussi? Non. Je suis un ange. Je vais mourir, c'est ça? Ménagez vos forces.
gentil. Mords pas, je ne te veux pas de mal. Sois gentil, doucement. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Au secours! Seigneur! Mon Dieu! Oh mon... Mon Dieu! Accrochez-vous! Ici les urgences, je vous écoute. Allô? Quelqu'un est blessé, j'ai besoin d'aide. D'où appelez-vous? Ça ressemble à une vieille mine abandonnée. Quelle est la gravité des blessures? J'en sais rien, mais il y a quelqu'un coincé dedans. Où êtes-vous en ce moment? Je sais pas où c'est complètement perdu. L'ancien campement des chercheurs d'or. Oui. Oh mon Dieu, tout est en train de s'écrouler. Vivette, vous trouverez ma voiture devant la mine. Dépêchez-vous. Dieu m'a envoyé pour vous aider et il vous permet de me voir. Il suffit de vous retourner et d'ouvrir les yeux. C'est pas vrai. Je commence à halluciner. Retournez-vous. Il est juste là. Surtout pas. Si jamais je lâche prise, tout va s'écrouler. Ce n'est pas grave. C'est qu'il n'est pas prêt. Sinon, tout va s'écrouler. D'accord. Restez calme. Nous serons là aussi vite que possible. Vous m'entendez? Faites vite. Je tiendrai pas longtemps. La galerie est envahie par les décombres. Ça va prendre du temps. Excusez-moi. Peter Darnell de Channel 5 News. Vous pouvez peut-être m'informer? La mine s'est effondrée. Les urgences nous ont prévenu qu'un homme était entré dedans pour aider quelqu'un. La voiture qui se trouve là, c'est la sienne? Ouais. Pas les dégager pour l'instant.
Neil, c'est Peter. Est-ce que tu peux me rendre un grand service immédiatement? J'ai devant moi une plaque d'immatriculation dont voici les coordonnées. Les contenants de l'éboulement sont porteurs d'espoir. Les sauveteurs sont d'ailleurs convaincus que les deux personnes bloquées sous les décombres à l'intérieur sont encore en vie. L'une d'elles a pu être identifiée. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Ed Gold. C'est un assureur âgé de 40 ans qui travaille pour Brewster Financial Service. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que cet homme porte depuis plus de 2 heures une poutre principale qui empêche toute la montagne de s'écrouler. Posez-vous. Je peux me charger de votre fardeau. Ça y est, il est arrivé. Elle va s'en sortir. Bon carreau. Sortir aussi vite que possible. Ces vieilles poutres ne vont plus tenir très longtemps. Bien sûr que ça tient longtemps. Bon, dépêchez-vous, les gars. Oui, monsieur. Attention. Dépêchez-vous. C'est passé, dégagé. Génial. C'est un champion. Bravo. Super. Félicitations. Monsieur Gold, bravo, bravo. Vous savez combien de temps vous êtes resté là-dessous? 5 heures et demie, c'est formidable, non? Bravo, monsieur. Vous avez empêché une montagne de tomber super. Pendant 5 heures. Vous êtes un héros. Je suis Information nationale. Ah ouais? Et j'ai vu le médecin à ton sujet. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tu n'as pas pu porter cette poutre tout seul. J'ai dit qu'il ne connaissait pas mon mari. La fille va bien? Elle vivra. Grâce à toi. Quoi? Non, rien. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors tu ne vas pas me traiter de cinglé, d'accord? Est-ce que tu crois aux... miracle? Je ne sais pas. C'est bien ça que tu voulais dire? Oui. Oui, c'est bien ça. Descends, je te tiens. Doucement. Le voilà. Bravo. C'est parti. Vous êtes vraiment super. Génial. Ed Gold. Ouais. Ah, bravo. Ouais. Salut. Félicitations. Bravo, monsieur Gold. Je suis content de vous connaître. Merci beaucoup, mesdames. J'ai du mal à comprendre. Tu ne fais pourtant aucun sport, à part pianoter sur une calculatrice, évidemment. C'est n'importe qui aurait fait la même chose, Pierre. Sois lucide, mon vieux. Tu ne seras plus jamais n'importe qui. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde à son poste. J'ai dit tout le monde, compris? Excepté... excepté vous. Ça nous fait une très bonne publicité. Ah, et Monica préparera toutes vos apparitions publiques dorénavant. Toutes les chaînes télévisées vous réclament. Vous avez une interview ce matin. Ils vous envoient une limousine. Oui, allô? Après quoi, vous avez rendez-vous avec le gouverneur. Sans oublier l'audioconférence avec un producteur dans votre limousine. Il veut faire un film de votre histoire. Oh. Chut, chut. Oui, monsieur. Oh, oui. Nous sommes tous extrêmement fiers de lui. Je vous le passe tout de suite, monsieur le président. Allô? Je suis au paradis. Non, dans un hôpital. Ça va aller. Je suis venu vous dire au revoir. Merci beaucoup pour votre aide.
Vous voudrez bien venir me voir danser la prochaine fois. Il y a une chose que vous ne devez jamais oublier parce que c'est très important. Vous êtes en vie, Marla. Il faut que je parte. Ma limousine est là, Trésor. Tu es mon héros. Monsieur Gold, c'est moi qui vous livre vos journaux. Ah oui, justement, j'ai deux mots à vous dire à propos de la manière... Je peux avoir un autographe? D'accord. Ah, merci, monsieur. Le gouverneur reçoit un héros. L'autre rescapé perd une jambe. Je vous remercie. Alors, premièrement, je veux d'autres photos. Vous avez vu l'article? Oui, c'est horrible, mais bon, elle est encore vivante. Bon, alors, on la met quand, cette séance photo? Georges, il est trop vieux. Salut. Moi, je pensais à... Ah, bonjour, monsieur Gold. Ouais. Ok, Spence. Ed. J'attends de bonnes nouvelles. Ciao. Eddie. Les travaux de la zone inondable, j'attends toujours tes chiffres pour le rapport. Tu les auras. J'ai mieux à faire maintenant, tu vois. Bien sûr. En reconnaissance de son acte héroïque, le gouverneur a dédié ce jour à... C'est devant les tribunes de Bletz à craquer que le nouveau héros de Denver, Ed Gold, a lancé le coup d'envoi du match. Le héros que l'invité d'honneur de notre défilé. J'ai nommé Ed Gold. Ouais, c'est une question très intéressante. C'est la première fois qu'on me la pose. Qu'est-ce qui me fait courir? Je dirais une sorte de force intérieure que je ne pensais même pas avoir. Ça, et les pantalons bien coupés. Je ferai la promotion. D'accord, vous avez mon portable. Salut. Excusez-moi. Oh. Ed Gold, ne quittez pas. Je suis navrée de vous interrompre, mais l'association des parents d'élèves de la région vient juste de m'appeler. Monica, pour savoir... les parents d'élèves? On peut faire mieux que ça. Désolé. Non, je ne peux pas ce soir. Quand alors? J'en sais rien, c'est pour une espèce de film. Ça t'ennuierait à mourir. Oh, mais pas du tout. Écoute, chérie, je dois y aller, j'ai une autre interview. D'accord? Allez, bonne soirée. Il exagère. Alors, Ed, la semaine dernière, vous lanciez le coup d'envoi d'un match avec les Rockies. Et vous avez un film en préparation. Oui, c'est merveilleux. Je n'aurais jamais cru que ça m'arriverait à moi. C'est vraiment génial d'être un héros. Puisque
qu'aucune célébrité n'était en vue, la foule s'est tournée vers une figure à présent bien connue du public, Ed Gold, venu assister à la première du film. Et maintenant, voici pour inaugurer officiellement notre nouveau magasin, celui que nous n'avons pas beaucoup vu ces derniers temps, Ed Gold. Venez ce week-end essayer nos véhicules neufs ou d'occasion et posez aux côtés du courageux Ed Gold. J'attends toujours qu'Ed me donne ses estimations. Ed qui ? Ed Gold. Monica. C'est Ed. Oui, en fait, j'allais partir, mais rien ne s'oppose à ce que je prenne un appel ou deux. Rien de prévu? Oh. Et pour les parents d'élèves? Ah bon, le clown qui présente les dessins animés. Oui. Oui, je suis sûr qu'il fera du bon travail. Merci. Je vous écoute. Et mes estimations, c'est pour quand? Bonjour. Je m'appelle Gloria. Je suis la nouvelle kinésithérapeute. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire de kinésithérapie. Je veux rentrer chez moi. Je veux revoir ma maison. Je veux revoir mon chien. Je sais combien ce doit être douloureux pour vous. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Elle danse. Eh bien non, je n'y connais rien. Mais quand je fais ce que je préfère, j'ai l'impression de ne plus toucher terre. C'est comme si Dieu me donnait des ailes. Et j'imagine que lorsqu'on ne ressent plus ça, on a l'impression que notre vie n'a plus aucun sens. Je n'ai pas raison. Si. Il y a tellement de choses formidables à vivre et à expérimenter dans cet univers. Avec des prothèses adaptées, vous pourrez accéder à tout ce que le monde recèle de trésors. Enfin, presque tout. Je ne vous promets pas le lac des cygnes, mais vous pourrez encore danser, Marla. Vous le ferez simplement d'une autre façon. Pas le croire. C'est comme s'il avait oublié qui je suis. Dis plutôt qui tu étais. Et des appels? Durant les 30 secondes où tu es sorti? Ne t'inquiète pas, je n'utilise plus notre téléphone. Attends. J'ai sauvé une vie. Je suis navré que ça me dérange. Non, j'étais très fière de toi, au contraire. Ce qui me dérange, c'est que depuis, tu es devenu un pauvre type. Tu sais pourquoi les gens ont arrêté d'appeler? Pourquoi les récompenses ont cessé de pleuvoir? Parce qu'ils sont aussi fatigués que moi de devoir faire le pan en permanence. Et pour quelle raison, moi, je n'aurais pas un peu le droit d'être reconnu? On a passé notre vie à se faire marcher dessus. On a enfin la chance de devenir important. Navré que tu vois ça comme ça, pour moi, c'est pas le cas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu viens de parler de chance. Admets que tu t'es servi de toute cette histoire pour te faire valoir. Tu n'as même pas pensé une seule fois à prendre des nouvelles de la jeune femme que tu as sauvée. Gwen. Tu es un génie. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Monica. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Où sont les photographes? Enfin, je n'en ai pas appelé un seul. C'est à Marla de prendre cette décision. On est en perte de vitesse. Et vous perdez l'essentiel de vue. Je peux savoir ce que vous entendez par essentiel. Les gens se lassent de moi. Mais des retrouvailles émouvantes entre la victime et son sauveteur me ramèneraient en pleine lumière. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous êtes naïve ou quoi? Vous savez tout comme moi que les gens ont besoin de héros. D'accord. On va la sonder, et si elle est partante, vous m'appelez tous les photographes. Ok? Où est la kinésithérapie?
La kinésithérapie, s'il vous plaît. Merci. Vous y êtes presque. Vous vous débrouillez très bien. Je n'y arriverai pas. Si, vous verrez. Vous êtes quelqu'un de fort. Excusez-moi. Vous avez un visiteur. Salut, Marla. J'étais avec vous dans la mine. Vous vous rappelez? Je suis bien obligée. Quand j'allume la télévision, quand j'ouvre mon journal, qui je vois? Le héros, Ed Gold, en train de raconter au monde entier comment il a pu porter une montagne à lui tout seul. Mais je connais la vérité, et vous aussi. Mais de quoi vous parlez? De l'ange. Elle croyait qu'il y avait un ange avec nous, dans la mine. Vous souffriez beaucoup. Pendant un instant, j'ai douté, moi aussi. Mais plus je vous vois et plus je comprends, ça ne peut être que vrai. Vous pouvez m'aider. Vous devriez me remercier d'être en vie. Si je devais remercier quelqu'un une fois encore, je ne pense pas que ce serait vous. Ouais ? Où es-tu ? J'ai invité Monica à dîner ! Ah non, 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 je vous assure, j'ai pas besoin de dîner. Où est-elle ? Elle sait bien que je vois beaucoup de gens et que j'ai des affaires à traiter. Quoi ? Ce n'est pas grave. Vraiment, il vaut mieux qu'on se voit demain. Attendez. Deux minutes. Salut, Ed. C'est Spence Jacob de Los Angeles. J'ai renoncé toutes les chaînes hertziennes et le câble avec votre histoire. Pour l'instant, personne n'accroche, mais il faut pas vous inquiéter. J'ai encore deux ou trois pistes. À plus tard. Salut, c'est Gwen. Je suis chez ma sœur. Je sais pas quoi te dire à part... Je te souhaite de trouver ce que tu cherches. Au revoir. Alors, mon état ne s'est pas amélioré. Non, non, je ne vais pas revenir travailler. Oui, oui, j'ai appelé le service du personnel. Bonsoir. Oh, oh. Non, je ne suis pas revenue. Je suis juste passée prendre du courrier. Chérie, est-ce qu'on peut parler tous les deux? Tu veux qu'on parle tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus d'interview? Écoute-moi. Le producteur de Los Angeles a appelé. Il croit que le film a des chances de se faire. Ça résoudrait tous nos problèmes. Tu ne sais pas quel problème on a. Jouer au héros te prend beaucoup trop de temps. Je suis un héros. J'ai sauvé la vie de quelqu'un. Le monde dit et répète que je suis un héros. Tu as toujours été un héros pour moi. Mais c'était pas suffisant. Je t'en prie, tu... Laisse-moi! Tout ce que je sais, c'est que l'homme qui est entré dans cette mine était l'homme que j'aimais et que j'admirais. C'est pas celui qui est devant moi. Je ne comprends pas. Eh bien, non seulement tu te sers de ta bonne action à des fins bassement matérielles, mais en plus, peut-être que tu es en train de mentir. Quoi? C'est pas possible de faire ça tout seul. Je te connais par cœur. Je te connais depuis si longtemps. Je sais que tu ne me dis pas tout. Peut-être même que tu ne te dis pas tout à toi-même. Aujourd'hui, tu as perdu ta célébrité. Et tu m'as perdu aussi. Et si tu ne fais pas attention, tu finiras par perdre ton âme. Au revoir, Ed. Gwen, ne pars pas. Où êtes-vous?
si vraiment vous existez. Alors venez, montrez-vous. Je suis là. Me voici. Moi aussi. Monica? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un ange, Ed. Et Andrew l'est aussi. Mais alors? C'est vrai? Oh que oui, c'est vrai. Cette voix, c'était vous? Dieu m'a envoyé en réponse à vos prières. Je l'ai entendu. J'ai ressenti quelque chose. Ça devait être vous, mais c'était tellement impossible. Comment croyez-vous que l'impossible puisse se produire? C'est par la grâce de Dieu. Dieu vous aime, Ed. Il a entendu votre désir de sauver la vie de Marla, mais il savait que vous n'en auriez pas la force. Seul le Seigneur a le pouvoir de décider si une personne vivra ou non. C'est pour ça qu'il a envoyé Andrew. Alors, je ne suis pas un vrai héros? Oh, bien sûr que si. Il y a beaucoup de gens que l'on appelle à l'aide, seulement très peu ont le courage de répondre présent. Alors oui, vous êtes bien un héros courageux, Ed. Mais en vous présentant comme le seul et l'unique auteur du miracle survenu dans la mine pour sauver Marla, vous avez non seulement usurpé la gloire de Dieu, mais en plus, vous avez empêché les gens de faire appel à lui dans leurs prières. Le monde entier doit savoir que Dieu entend toutes les prières et qu'il les exauce d'une manière ou d'une autre, ainsi qu'il l'a fait pour vous. Vous passez toute votre vie à vous morfondre parce que vous ne supportez pas l'idée de n'être personne. Alors vous priez, vous espérez pour avoir la chance de pouvoir sortir du lot et de ne plus subir chaque jour comme un échec. Pour que votre vie ait un sens. Quand cette chance vous a été offerte, vous avez alors fait preuve d'un courage extraordinaire. Alors maintenant, dites-moi ce qu'il y a de plus précieux au monde, de plus beau et de plus grand que le soutien sans faille et l'amour de votre Créateur. Alors j'ai tout gâché. J'ai perdu mon âme, c'est bien ça? Non. Non. Durant quelque temps, vous n'avez perdu que votre chemin. Dieu sera à nouveau votre guide si vous le lui permettez. Alors qu'en dites-vous? S'il n'y en a pas assez, je peux aller en chercher d'autres. Le fleuriste a dit qu'il lui en restait au moins une bonne douzaine. Je ne sais pas comment vous le dire. Ce qui s'est passé, c'est que ma vie s'est améliorée, du moins un temps, parce qu'il vous est arrivé malheur. Et je ne sais pas quoi en dire, sauf que je suis profondément navré. Merci. Je n'ose pas imaginer ce que vous traversez. Votre rééducation se passe bien? Je souffrais davantage quand j'étais à la barre. Je ne sais pas danser. J'ai deux pieds gauches. Ce ne doit pas être aussi désespéré que vous ne le pensez. Une fois, j'ai vu le ballet Roméo et Juliette. Vous l'avez dansé? Oui. À l'école. Je ne l'ai jamais dansé en tant que professionnelle. Et je sais que je ne le pourrai plus jamais. Je suis vraiment désolé. Mais je crois que Dieu a prévu quelque chose de formidable pour vous aussi. Sinon, il n'aurait pas envoyé un ange pour vous sauver.
Oui. J'arrive à le voir maintenant. Ayez confiance. Si pour vous, danser était synonyme de joie et d'immense bonheur, attendez de voir ce que Dieu vous a réservé. Vous n'aviez pas une autre surprise? Oh, c'est vrai. Le vrai héros. Ça fait du bien de te revoir. Tu es beau. Salut. Chérie. Je suis désolée. Oh non, c'est à moi de m'excuser. Je me suis montrée si égoïste ces derniers temps. Bien vu. Mais moi, j'aurais pu être un peu plus à ton écoute. Monica m'a aidé à voir certaines choses. Oh. Elle t'a dit qu'elle était vraiment... Elle m'a dit. Je sais tout. Alors, tu veux bien passer le reste de ta vie avec un petit comptable de rien du tout? Non. Je préfère passer le reste de ma vie avec toi.